Bah, on va faire demi-tour là. On roulait le temps qu'on puisse réinitialiser l'enregistrement, voilà. D'accord. Vous avez quitté la ville et vous avez abandonné Katox, y a pas de souci. Vas-y, lance ton enregistrement là. Oui, j'ai lancé mon enregistrement, j'ai dit bonjour, mais c'est vous qui dites n'importe quoi. J'ai plus de faire. Ouais, j'avoue, bonjour tout le monde, c'est le bordel, ouais, les épisodes, gars, comme d'habitude. Non, c'est pas le bordel, on est super organisé. Damned roule devant, nous on maintient une distance de sécurité pour éviter les accidents. Tout à fait, d'ailleurs, c'est Damned, c'est le seul qui a des feux, donc du coup, c'est le seul qui... c'est pour ça qu'il roule devant. Damned, il a un feu, il a un feu. Ouais, bah moi j'en ai plus, donc c'est déjà mieux que rien. Grâce au virage de Slan. Oh, ah ouais. Non mais c'est dangereux les virages, hein. On croit pas comme ça, mais tu peux me laisser là. Tu veux que je te laisse là? Bah c'est en plein dans le bordel par contre. Bah écoute, vas-y, tombe lui, descends. Bah un peu plus, là il y a quand même un tout petit peu de zombies. Ouais mais je vois que dalle moi, je te rappelle que je suis agoraphobe là. Non, il y a plein de zombies là, je vois des ombres. Non, c'est bon là, c'est bon. Ok, bah je continue. Voilà. Vous allez retrouver Katox, moi je vais au garage m'entraîner un petit peu. Va t'entraîner, ouais. Je ne sais pas à quoi. Katox, tu peux nous dire où tu es peut-être, éventuellement. Bah étant donné que là il fait super sombre. Il est minuit 10 pour être précis. Ouais c'est ça, donc j'ai un peu du mal à savoir où je suis. T'es dans une maison ou... En tout cas il y a un paquet de zombies qui remontent vers le nord. Alors, c'est possible que je puisse pas m'entraîner beaucoup à la mécanique, il paraît qu'il y avait une alarme dans le garage. Ah ouais d'accord. Je fais des appels de phare, je sais pas si tu vas les voir. Je suis mis un peu sur le côté. J'essaie de traverser les zombies là. Sur la voie de droite. Je suis à un croisement. Ok. Putain, je vois tellement rien. En gros, je suis garé au Sunstar Motel pour le moment. T'as allumé, j'arrive au Sunstar Motel là. Parce que là où je suis, il y a que deux zombies pour le moment. T'es sur le parking du Sunstar Motel? Ouais, c'est ça. Alors attends, il est où le parking? Je crois que je l'ai passé, je fais demi-tour. Je crois que là où je suis, il y a pas grand monde. Je chie un peu. Je me disais que si on pouvait rester par là et... Alors attends, je rentre sur le parking en douceur, il y a une voiture bleue. Oh, putain, j'ai des bugs d'animation des fois. Ah oui, je te vois. Ah, je suis là. Ils ont l'air tous partir au nord, il y a pas l'air d'avoir grand monde dans le coin. J'ai déclenché l'alarme du garage. Ah, bah, ça doit être ça alors. Ça y est, moi aussi je suis tombé en sortant de la voiture. Ouais, tu vois, tu dois avoir une petite blessure anecdotique ou un truc dans le genre. Pour l'instant, non. Bon, bah tant mieux alors. T'es raflé le genou, quoi. Je suis en train de lire les bouquins de travail du métal et puis de mécanique pour les nuls. T'as trouvé une zone sécurisée, quoi, c'est ça que tu dis. Bien sûr. Tu laisses mourir au motel, quoi. Mais vous l'aviez trouvé avant moi, la zone sécurisée, hein? Je vous rappelle qu'il y a un toit avec une seule porte sur la warehouse. Ah, t'es dans la warehouse? Bah, là-bas, je voulais aller au garage, mais avec l'alarme, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Je suis essoufflé. Merde, ah oui, c'est vrai que j'ai la masse quand même. Hein. Faut que je fasse gaffe. Bah, écoute, nous, on attend que Katox se manifeste. Bah. Mais non, roulez dans les rues. Ouais, mais c'est un peu chiant de rouler tout le temps. Mais oui, mais plus, il va vous entendre. Il peut vous entendre. Ouais, c'est vrai. Ouais mais on voit rien, moi je vois rien du tout quand je conduis. Ouais c'est qu'il voit rien, je voudrais pas qu'il prenne des risques en fait. Pas de soucis. Faudrait pas qu'il se crache une énième fois. Ce serait dommage qu'on perde la voiture quoi. Bah sinon vous revenez puis je vous change vos phares. Oui bah je crois que tu pouvais pas... Ah je peux pas encore tout faire mais changer les phares c'est le truc le plus facile. De toute façon pour le moment on est au Sunstar Motel. On va se balader un peu par là, on va rester groupir. Hein. C'est l'occasion de... Y en a une là-dedans. C'est l'occasion de piller un peu. Exactement. Ah oui, bah oui. Ah oui parce que vous êtes pas inactif. Ah bah non. Ah non. On est pas là. Ah non non. On a mieux à foutre. Attends, deux secondes hein. Eh, tu m'as enfermé. Ah. Oui, mais c'est parce qu'il y a l'autre derrière. C'est bon, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, il y a les zombies. Tu m'as enfermé dans un placard avec 4 zombies, mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Si on ouvre, ça va rentrer à mon avis, non? Non, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Tu m'as enfermé, j'ai fait 4 zombies. Oui, parce que dehors il y en a 5. Youpi. J'arrive pas à lui taper dessus, ça bug là. Ouais, ça bug un peu, hein. Je sais pas où je vais. Merde, Katox, je suis vraiment désolé d'avoir tué ton premier hôte. Après, il avait pas l'air super performant ni trop en forme. Tu déconnes, j'avais tué 64 zombies. Bah, moi j'ai tué pas mal de gens d'ailleurs, mais je sais pas si c'est tous des zombies par contre. Ouais. T'as au moins tué
un truc qui n'était pas forcément zombie. Mais comment elle rentre, elle ? Je vais en profiter comme je suis en train de faire une lecture et que ça va assez vite pour expliquer que j'ai paramétré la vitesse de lecture en x10, sachant que quand vous jouez en solo, vous mettez la plupart du temps un fast-forward qui va lui en x50, en x40. Donc c'est quand même plus long que quand on joue en solo et qu'on fait avance rapide. Ah, je suis au greens. Ah, ça prend greens, on va pouvoir faire quelque chose déjà. Par contre, je suis désolé, je sors un peu, je suis très épuisé. Non, mais il y a pas de soucis. De toute façon, il a dit qu'il avait atteint la voie rapide, donc on va pouvoir essayer de. Impeccable. Si j'arrive à me débarrasser de cette saloperie. Voilà. Bon, bah, faut qu'on retraverse du coup. C'était par là. Par la petite. Ouais, moi je passe par la petite pièce qui est là, ouais, effectivement. Je vais déposer ça. En plus, il fait presque jour. Si on veut. Il est 2h du matin. Ne sois pas agréable. Comme je me suis trompé de livre, j'ai lu un livre inutile d'abord pour faire bonne mesure, pour m'entraîner. Attends, 2 secondes, je me débarrasse de lui là. Allez, donc t'es où t'as dit ? Au green, c'est où ? Bon, ça doit être plus au sud, j'imagine, vu comment on est au nord. Au green, c'est en bas, ouais, c'est en bas de vous. Ok. Tu me dis quand t'es derrière moi, je te vois pour le moment, donc ça va. Je manœuvre, c'est bon, je suis derrière toi. Ok. Je mets le clignotant, attends, c'est un stop, le mec. Ah attends, accélère pas trop, faut que je prenne le stop aussi quoi. Est-ce que vous avez vu un tournevis ? Non. Non, pas vu de tournevis moi. Si vous en trouvez, il m'en faut. Hein. Bon, allez, on est parti. Démarre voiture, démarre. Je me mets sur l'autre voie hein, au cas où. T'es sur là, ok, je reste à gauche, je te mets dans droite, ok. Là, je suis dans, ça y est. Putain, je te vois plus quoi, c'est ouf. Ah ! Oh le lag ! Je t'ai vu arrêter. Ah merde ! Ah putain, bah je vais continuer alors dans le putain. Non, mais c'est bon, j'ai freiné comme un porc et finalement t'es reparti. Oh putain, j'ai un lag aussi, attends, je m'arrête. Oh la vache, attends. Oh la vache. Oh le lag. Ah bah bon, voilà. Et après on critique ma conduite. Non mais c'est bon, c'est pas touché. On s'est pas rentré dedans, tout était parfaitement maîtrisé. On maîtrise le lag. Tu sais quoi, faut vraiment que tu roules dans les deux autres voies, hein, à la limite. Hein. Ouais, mais le problème c'est que dès que t'es plus exactement en face de moi, je te vois plus donc. Bah moi je reste dans les deux voies de droite. Et toi, tu te mets dans les deux voies de gauche. Voilà, au pire, s'il y a des lags, je te double et puis. Ah ouais, parce que. Je vois strictement rien des bâtiments, donc je sais pas. J'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que j'avance, je recule encore plus, donc je sais pas du tout où je suis sur le serveur en fait. Oh, je suis en marche arrière là, j'avance et la voiture elle recule. Ouais, m'a vu passer, attends, je fais demi-tour. Hop là. Ça va être un peu chiant ces lags hein, par contre. Hein. Je remonte lentement, dis-moi quand tu me vois parce que moi je vois rien du tout. Je te vois, stop. Quoi, vous voyez vraiment, je m'arrête. Non mais moi j'ai un gros problème là. Il y a des zombies, je revance. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. C'est bon, je suis dedans. Ok. Et sinon le radio van qui est là, j'ai la clé. Bah voilà, en plus. Bah écoute, si on veut une bagnole avec des feux. Attendez, je fais demi-tour. Si je crois qu'on s'est croisé, vous m'avez croisé hein. Ouais, on s'est croisé, je confirme. Oh, ça va là. Ah, parce que les lags de merde. C'est bon. Ah, wow. Ah ouais, vous êtes là, c'est bon. Je roule sur la voie de droite toujours. Ouais. Je suis à peu près au milieu moi, parce que pour essayer de vous croiser quand même, voir. Bon du coup, j'esquive pas trop les zombies, désolé voiture. Genre là, je t'ai rattrapé, tu vois, c'est bizarre. Ah, peut-être ma voiture va plus vite, oui, mais... Non, ma voiture va moins vite que la tienne. Ouais. En plus, vu que je vois pas grand-chose, j'ai tendance à ralentir dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Bon, on fonce au Twiggies, hein. Bah, on passe chercher Slan, peut-être. Ouais, aussi, ouais. T'es toujours à la rouge, Slan ? Non, là, je suis en train d'essayer d'accéder à l'intérieur du garage, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de zombies. Bah, sinon, on y reviendra après, hein. Katox, tu veux me dire où est le garage ? Y a un tournevis, j'aimerais vraiment pouvoir le prendre. Mais il est dans le garage ou dans la warehouse ? Parce que je suis dans le garage, là. Non, le problème, c'est que je vois rien, donc... Bah ouais, on voit que dalle sans feu, c'est un peu le bordel. Sinon je passe devant, hein, mais même en passant devant... Bah il est au nord de la warehouse, là on vient de passer la warehouse. Non, il est au sud. Ah, bon. Il est deux bâtiments au sud. Alors, t'aurais dû... Je m'arrête, attention Damnel, je fais demi-tour. Ouais, bah je fais des appels de phare pour t'indiquer ma présence. Alors, je ne vois rien qui n'est pas exactement en face de moi, donc... Tu peux faire tous les appels de phare que tu veux, le jeu gère très bien ça. Ah là je te vois. Stop. Là tu vois, là je te vois plus par exemple. Ok, ouais, c'est vrai que c'est bien fait, ça va un peu trop. Ok, donc je passe devant, allez, c'est parti. Alors, je vais pas m'arrêter. J'arrive pas à prendre de tournevis. Donc là, t'as la warehouse.
Juste après, vous avez les box. Ouais, on a les box qui sont juste. Et je vois Slan, c'est bon, je le vois. Wow! La quantité de zombies qu'il y a, c'est l'horreur. C'est bon, stop! Par contre, Slan. Vous inquiétez pas, allez à la Warouse. Ah bon? La vache. Ouais, vous inquiétez pas. Ouais, y'a du monde là. Hein. Je repars alors. Ouais, vas-y, ma voiture essaye de. Attention, Slan, t'es devant moi. Ouais, t'inquiète. Je gère. La Warouse, c'est le bâtiment rose là? Bah oui, il y avait le parking là. Ouais, c'était l'occasion, j'ai quand même changé de place. Hein. Ouais, Slan, si tu veux, y'a une place côté place du mort. Je te rattrape doucement. Ça marche. Je suis garé sur le parking du warehouse. C'est bon, il est dedans. Il est slané dedans. On dégage, on va au Twiggies. Ok. Ouais. Interdit de s'arrêter. Bon, bah j'ai pas eu mon tour de vie, je suis déçu. Ouais, il y en aura peut-être un au Twiggies. Non. Bon, je me mets sur la voie de gauche que tu puisses ressortir. Ah, ça y est, je vous ai vu passer. Alors, ça sert pas à grand chose qu'on arrive au Twiggies comme ça. Il faudrait qu'on s'arrête dans les grosses warehouses West Point avant. Bah écoute, moi j'aurais bien aimé quand même qu'on dépose pas mal de trucs là-bas et qu'on fasse le tri, etc. Et après on repart où vous voulez, mais Bah il est quelle heure? On est déjà un peu plein. 4h10. Slan, je te drop un. Non mais mon coffre est plein, mon inventaire est plein. Donc moi je peux. Ça commence à être compliqué. Hein. Merci Slan, pour les cigarettes. Les cigarettes, ouais, sur la plage arrière. Comme vous voulez, mais bon, moi je trouve que c'était bien d'y aller une fois. Moi c'est pareil, mon sac est quasiment plein. Si les bagnoles sont pleines et que les. Si les coffres sont pleins, oui. Comme ça, on y retournera tranquillement, on fait une petite escale, mais Puis au moins, on verra si on arrive à survivre. Voilà. Attention, t'es trop près derrière. Ah, c'est bon, j'ai arrêté. Je te vois pas. Hein. Donc, Moi, je te vois. Je peux passer devant si tu veux que j'éclaire, mais Faites juste attention au. Bah, en fait, je vois bien juste en ligne droite devant moi. Non, mais vraiment, que ce qui est en ligne droite devant moi, quoi. Ou t'es éclaté les phares? Ah oui, mais c'est Slan qui a éclaté les phares en prenant ce virage. Non, c'était comme ça d'origine, moi j'ai fait aucun dégât. Ouais. Quelqu'un a mangé, à boire? Non. Mais j'ai deux balles de baseball. J'ai du beurre de cacahuète ou un truc du genre, je crois. Bah sinon, là, il y a un petit endroit où on va pouvoir s'arrêter après, vite fait. Bon bah écoute, tu me dis, pour l'instant, je roule. C'est pas encore. Bah c'est dans le... C'est là, c'est après le cimetière automobile. Cimetière automobile. Ah oui, sur la route, tu veux dire. La casse, quoi. Ah oui, non, oui, oui. Enfin, la casse à ciel ouvert, quoi. Enfin, à route ouverte, enfin, bref, ouais. Mais bon. Après, les véhicules cassés. Ouais, c'est ça. Ce sera plus simple. Avec Damned, il faut parler simple. Mais lui, un post-it. Ça va être chaud de contourner, hein, parce que je vois vraiment rien. Ça passera pas par là. Je me souviens qu'il fallait passer sur le côté. Ouais, mais on a pas de. Moi j'ai pas de hache hein, pour couper l'arbre. Si arbre il y a. Et je pense que arbre il y a. Ça passe pas là? Non. Là c'est. Au pire, tes phares ils craignent plus rien. Hein. C'est pas faux. Non, ça passe pas. Je recule. Tu veux que j'essaye ou... Attends, j'essaie de prendre un meilleur angle, mais. Ah, ça y est, ça passe. Si en y allant dans le bon angle, ça passe. Alors ici, est-ce que ça passe? Moi, je suis passé au milieu pour le moment, mais jusqu'à quand? J'ai l'impression d'être dans l'arbre, là. Ouais, tu es dans l'arbre. Tant que ça passe, ça passe. Attention, y a Damned qui arrive. Vas-y, Damned, passe. Ouais. J'entends des zombies. Et ils sont après moi, vous inquiétez pas. Ils sont ah, moi là, ça passe pas. Attends, parce que ça passe pas après, c'est un peu con. Hein. Attends, ça passe pas après. Ah si, peut-être. Allez, vas-y, cocotte. Ça passe. Ah, ça passe, mais c'est au poil de cul, hein. Oh la vache, j'ai une voiture un chouïa plus grosse. Katox, après... allez pas sortir, tu vas te blesser. Et après les deux camions, tu peux re-rentrer sur la route, c'est bon. Hein. Mais il y a un zombie qui arrive à lui tout seul à m'empêcher d'avancer, quoi. Tu veux que je t'éclaire, quand même, ou ça va aller? Non, c'est bon, je vais zoomer à fond. À cette vitesse-là, ça va. Bonjour. Salut. Bon, et bah, y avait pas de bagnole exploitable dans l'embouteillage, malheureusement. Katox, t'es où? Je t'attends. J'arrive, je bougeais les zombies. Tu me dis, hein, un moment, Slan, si je dois faire un truc. Droite! Droite, tout droit, je veux dire, ou droite maintenant? Tu me dis si je dois. La droite qui était là, ouais. Je t'attends pour l'instant, là, sur la route, après le truc, là. Ouais, je te vois. Genre là? À gauche, hop, maintenant. Hop. C'est bon. Tout droit. Ok, le dîner, quoi. Voilà, j'ai faim. Attends, oh, y'a un lag, c'est bon. Je bouge plus. Alors, on s'arrête au spiffose. On est à 10h sur la droite. Coupe le moteur.
L'autre droite. Là, 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 là. Hein? Bah c'est pas à droite ça. Foutez de ma gueule. Oui, bon, c'est Damned hein. L'autre droite. C'est au tournant. Au tournant. La première, un premier truc qui passe. Hop là. Yo. Ouais, il y a des jeux vidéo. Vas-y, joue, oh. Je te couvre. On peut pas. Ça grouille. Ça va, ça va, ça va, ça va pas. Ah, ils arrivent en masse de la rue, hein, de la route. Hein. Bah, on prend la bouffe, on se casse. On fera le tri dans la voiture. Ah, brouillard. Oh non, pas allez, du brouillard. Allez pas aux toilettes. C'est pas loin d'avoir une envie. C'est quoi, parce que justement j'avais soif. J'ai une lampe torche mais je peux pas la porter donc je la mets par terre, je sais pas si ça sert ou pas. Je sens un peu au niveau des pompes à essence. J'ai des bouteilles d'eau si t'avais besoin, Katox. C'était ça les toilettes, d'accord. Oui, j'aurais dû dire, ne prenez pas la première porte à gauche. Ouais, c'est pas grave. Ça aurait été plus malin. Oui, parce que je connais pas hein, moi, gauche, je suis jamais vu chez toi. Attention. Bon, pour moi c'est bon. Ah putain, c'est puis, dans la station essence en dessous. Mais c'est quoi ce brouillard là? C'est un scandale. Bah, c'est un bel event. Ouais, il est tombé direct quoi, Silent Hill hein. Oh non. Putain, t'aurais pu t'arrêter ailleurs que Silent Hill quand même hein. Wow, il est on va être coincé ici définitivement. Au moins il y a des jeux vidéo. Parce que quand il y a le brouillard, on peut pas se déplacer. Bah ouais, tu vois bien en bah, devant. Bah tu hein. Verras pas grand chose quoi. Ah moi je vois bien pour le moment. On va passer devant. Tu feras attention aux gros zombies avec la tête en pyramide. Non mais sérieusement je vois tout, pour le moment je vois tout hein. Mais oui, y a pas de soucis, vas-y t'inquiète pas. Attends, je prends la voiture pour te dégager la roue. Clé sur le contact. Ah, une bouteille d'eau. Ah là là. La station essence, hein, s'il faut faire le plein. Et j'ai même pas bu moi. Quel idiot. Pourquoi elle s'allume pas cette salope? La station essence, t'es à côté des pompes. Merde. Ah merde. Oh, il y a eu un bug. Putain. Encore ta clé qui a disparu. Non non. C'est que. Ouais, bah celle-là t'es témoin alors, arrête hein. Qu'est-ce qui se passe, t'es où? Ça y est, je suis sur la route moi. Mais Katox, eh ben, en fait Damned, quand on faisait les entraînements, Damned il a trouvé la meilleure bagnole du jeu en fait. Et il a trouvé la clé de la meilleure bagnole du jeu juste à côté. Et je l'ai jamais retrouvé dans mon inventaire. Et en fait elle a disparu. Ouais, parce que Slan s'est foutu de ma gueule en me disant c'est pas possible, il est venu, il a fouillé toute la maison et partout, il l'a jamais trouvé. Ouais, mais bon, ça je te suspecte d'avoir été la planquer dans la forêt. Pas sûr. Je sais pas quel est le niveau d'essence, mais il y a les stations essence juste là. Non, on est aux trois quarts plans là. C'est... Damned, pourquoi tu nettoies là? On a pas. Mais je nettoie pas, j'attends juste les deux autres là. Ah, mais faut pas les attendre. Mais là. Ils voient pas eux. Ah, mais ici, c'est bon là, il fait jour. Ça va encore. Attention, on va gauche. À droite, à droite, à droite, non. Ah, ah. Ça passera pas. Ok. Globalement, vas-y doucement. Ah, on je recule. Bah, ça passe ou ça passe pas? On me dit bah, à droite, normalement, moi. Ça passe pas. Normalement, okay. Ça passe pas. Bon, bah, on va pas tenter le diable alors. Faire le tour non. Par l'herbe à droite. Après, il est possible que aujourd'hui, exceptionnellement, ça vas-y. Passe. Vas-y. Attends, je vais faire le tour de ta bagnole, ouais, no stress. Poto. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Et plein de je te signale qu'il fait des virages sans rentrer dans tout ce qui passe. Je l'ai vu de très près. Non, mais en général, je me débrouille pas trop mal, moi. Non, absolument pas. Non, moi je vais passer par là. Voilà, c'est à droite là. Voilà. Je te laisse avancer. À droite. Putain. Normalement, je suis. Top. C'est quoi cette bagnole, quoi, mon dieu? Ah non, mais tu vas pas aller fouiller la bagnole? Non, mais y'a une belle camionnette là. Bah oui, je sais, mais. Ce serait bien qu'on arrive entier au moins. Recule pas. J'ai pas envie de sortir et tuer du zombie encore. Mais continue par le. Continue tout droit, le signe, on va ressortir par le. Par le parking. Normalement, il y a une voix qui. Je vous attends, bougez pas. T'as pas la clé, Slan, ça suffit un peu. Ouais, allez, viens, on va. Sois sage un peu. Allez, à la maison, hop. Le mec, c'est un fétichiste des camionnettes. On passe par où? Bon, on suit les autres. Elle est où la grande route? Devant toi. Il y a plus de grande route. Ah, tu. Non, tu continues l'espèce de truc gris. Ah, à gauche. Et tu longes. Elle a tourné par là. Ça voilà. Sauf que Damned il va commencer à loin. Ouais, non, mais moi je conduis bien, moi. Hop là. Il y avait un joli fourgon là. Tu sais, c'est le mec qui. Non, arrête. Il conduit, t'as des accidents partout derrière et il fait. Putain, tu sais quoi? Voilà, je te verrouille les portières, comme ça tu m'emmerdes plus. T'as une sécurité, enfant.
J'en ai marre que tu balances ta peluche par la fenêtre et que tu me dises de m'arrêter pour aller la chercher. Hein. Bah, je me mets à l'arrière. Ah merde. Tiens, ta voiture commence à fatiguer, je te rattrape. C'est possible. J'ai surtout écrasé un zombie en fait. Oui, parce que tu repars là. Oui, il y a des belles bagnoles, je sais, je m'en fous. Toujours tout droit, hein. Je commence à voir ça comme la belle par contre. Oula putain, je vais ralentir un peu là, des fois qu'il y a des lags. Ah, je les ai aussi, c'est que. Je sais pas si c'est lié au serveur ou si c'est vraiment lié juste aux véhicules. C'est peut-être les véhicules hein, qui ont un peu de mal à gérer en multi. N'oublions pas, ça vaut la peine de le préciser pour ceux qui ne savent pas, que c'est un jeu en early access. Hein. Ouais, depuis, depuis 10 ans. Depuis 10 ans à peu près. Hein. Ouais, j'en connais qui sont en bêta depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, c'est un très bon jeu, hein, mais ça peut expliquer qu'ils se concentrent pas forcément sur les bugs. Quoi. Ouais, non, mais en fait, les bugs en solo, moi j'ai vu quasiment aucun bug en solo. Hein. Bah, c'est la version qui teste non-stop là. Mais je bouffe un petit bout de beurre de cacahuète là, parce qu'il faut. T'as mignon. Faim, Damned? Il conduit d'une main et puis prend l'autre main et pousse. J'ai juste faim, j'ai pas très faim, j'ai juste faim. Ah, bah y'a les cités pour les nuls, je vais le lire. Oui, j'ai mis plein de bouquins derrière. Hein. Ah, oui, si tu veux lire Katok, j'ai plein de livres. Hein. Ouais, je veux mécanique. Bah, il est parti, le bouquin. J'en pose d'autres. Ah, bah, je crois que j'ai lâché sur la route. Oh. Tu vas te faire foutre. Juste à côté du beau véhicule là-bas, par contre. Si ceux de derrière passent dessus, ils le ramasseront. Non, mais. Cette électricité pour les nuls, c'est super important pour moi en plus. Non, mais tu l'as vraiment mis sur la route? T'as pu poser quelque chose sur la route. Bah, je sais pas, il a glissé sous le siège et Non, mais il se fout de ma gueule, il fait exprès pour que je m'arrête. Non, mais c'est trop tard là, il est trop loin maintenant, mais c'est. Ah bah, ouais. Y'en a qui perdent des clés. Y'en a qui perdent des livres. Mais elle est où la boîte de jus de fruits? Non, mais qu'est-ce que tu fous? Non, mais j'ai dû la boire. Cherche sa briquette de jus de fruits, et tout. En tout cas, si t'as un mode pour qu'on puisse mettre des trucs dans notre anus pour en transporter plus, tu le dis, hein, tu partages. Hein. Ouais. Tu fais tourner. Tu fais tourner. Tu fais tourner l'anus. Tu partages ton anus avec nous. Le mode qui s'appelle Poppers. Y'a pas un autre accident quelque part sur cette route de mémoire? Non. Non, mais je crois qu'il fallait tourner avant en fait. Ah bon? Non, c'est bon là. Moi je compte sur Slan, hein. Bah tu suis toujours en fait le signe. Bah, c'est bon là, ouais. Tap, c'était avant. Ah bah putain. Ah oh, c'est bon, c'était avant. Non mais... Ouais, excuse-moi, j'étais en train de lire. Hein. Y a une ouais, clé, ouais. Là. Ah, il y a une clé, ouais. Attends, je vais checker. C'est là? Vas-y. Ouais, c'est ça, c'est à droite. Sortir, je nettoie un peu ce qui passe. Ils sont où les autres, là? Ah, ils sont là, c'est bon. On est au faux sol, là. C'est bon, je suis aussi. Tu vas aller faire un tour, Slan? Allez, va faire un tour. Allez, vas-y, je te libère. Oh là 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 là. Vas-y, t'en as trop envie. T'as de l'essence? Voilà. Cool. Et pourquoi vous faites pas le plein? Et tu parce reviens dans 20 minutes, hein, je t'attends. Hein. Bah déjà, t'as vu tout le trajet qu'il faut que je fasse demi-tour pour aller chercher mon bouquin? Mais t'as vraiment fait tomber ton bouquin? C'est sérieux? Bah, oui. Non mais... C'est pas... Du coup, je te ramène s'il faut. Mais... Non, mon ventre. Ah, il est là, je l'ai retrouvé. Non mais... Il était dans ma poche. Ah, y'a des glaces. Le premier arrivé, premier servi, y'a toujours des glaces là-dedans ici, j'adore. Bah c'est surtout que... Quand c'est bien de rentrer les trucs dans l'anus, mais quand tu remontes, quand tu te remets debout, bah ça descend, ça glisse quoi. Oh, j'ai pas pu manger ma ice cream. Ah, il est dans le pantalon. Ah là 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 là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces zombies blindés là? Ça leur casse les jambes, ils continuent de se relever. Boum. Oh là là. Quel enfant ce Slan. Il y a plein de trucs là, plein de trucs. Des bouteilles d'eau. Bah j'aimerais bien prendre plein de choses, mais si je pouvais emporter plus. Ouais, si bon, on pouvait, genre aller. Je fais des allers-retours avant-arrière. Si tu me chopes là, ça sera plus de ta faute. Je fais pareil, j'essaie juste de trouver un bon angle pour ces cons de zombies. Je prépare de l'armement. Il y a des zombies qui commencent à rentrer. Pas grand chose, mais. Mais c'est pas grave, ils préparent de l'armement. Crame pas tout hein, cette fois. Pourquoi? Je sais pas. Au hasard quoi. Vous aimez pas ma gestion du feu? C'est plutôt ta gestion de l'extinction du feu qu'on a eu un peu de mal à simuler.
J'aurais pu à marcher. Je suis trop lourd, j'ai 3 jerrycans d'essence. Mais vous, faut pas vous inquiéter. Tiens, je t'écrase toi. Toujours pas de tournevis ici, c'est affreux. Mais on en trouvera, ne t'en fais pas. Bah oui, il va falloir. On te ramènera un tournevis, oh là là. Tu vas peut-être même pouvoir faire le clinketox. Hein. Ah, ah j'ai trouvé une corde. Excellent. Ah, je trouvais un zombie qui avait un sac. Ah, il est où? Il est là, sac de randonnée. Ah bah... Bon. Ah oh, les chanceux. Ah, moi j'ai pas un seul sac, même pas un sac à dos, rien. Faudra enfiler Adam Ned parce qu'il a des bonus pour porter lui. Bah Adam Ned, viens ici. Oui chef. Il est là, le rate pas celui-là. Ah, t'es pas mort toi. Très très drôle. De fumier. Pourquoi je peux pas y taper dessus? Tiens Adam Ned, je te dépose des trucs au sol du coup parce que je suis trop lourd. Yes. Attends, faut que je mange un petit coup là. Voilà. Alors. Avec une petite cigarette. C'est une de nos voitures ça? Bah c'est une nouvelle ouais. Elle a de l'essence et tout, c'est cool. Ouais ouais. On y va. Écrasez pas. On va au Twiggies. Ça fait un petit coup de klaxon. Ouais vas-y klaxonne un petit coup. Qui a laissé le volant à Slan? Personne. Tu crois que Katox il m'aurait laissé le volant? Ah mais vous êtes barré, vous êtes les seuls à connaître la map. Attends, reviens, il y avait un garage. Putain, pourquoi je peux pas rentrer dans ma voiture? Aïe, Katox, ça c'est dégueu ce que tu viens de faire. J'ai rien fait du tout. Tu m'as roulé dessus juste par vengeance, non mais sérieux. T'as dit reviens. Mais t'as dit vraiment... reviens, j'entame non, mais... mon demi-tour. T'es et sérieux mec, on est en équipe là. Oh bah, dit-il. on roule pas sur ses partenaires quoi. Attention, je te suis d'assez loin, Adam Ned. Ouais, j'ai cru voir ça. Je sais que c'est pas très loin, je sais plus exactement où. Ouais, vraiment, faut qu'on traverse un parking. Bon, non, il y avait rien dans le garage, en fait, c'était une station de lavage. Ouais, super. Ce serait bien par... Non, attends. Hop là, tout va bien. Tout va bien. J'étais un peu bourrin, j'ai pété mon dernier phare, je crois. Je crois que c'est à gauche au chantier. Avant le chantier, à gauche, il me semble. Hein. Mais je suis pas sûr. Hein. Attends, je teste. Le chantier me parle, je dirais que c'est là-haut, un peu plus haut à droite, mais... Ah oui, là, il y a un parking à traverser, ça a l'air pas mal, il y a une jolie voiture... Ah non, là, on peut pas traverser, là. Non, mais vas-y, continue vers le nord... Par contre, on avait 3 voitures, pourquoi on en a plus que 2? Bah nous, on en a 2, hein. Vous débrouillez. Chacun près une, ça va. Ouais, on essaye de... En fait, il y a que moi qu'on laisse pas conduire, quoi. Bah, c'est pas normal, que toi qu'on laisse pas conduire, c'est toi qui a pas trouvé de voiture. Voilà, exactement. On est au Spifo, c'est où par rapport au Spifo? On se croit qu'on s'est perdu là. C'est clair, vous êtes dire que c'est. Il y a des beaux véhicules là. Je crois qu'il faut faire demi-tour, ouais, on va faire demi-tour. Hein. Ouais, faisons demi-tour, je suis d'accord. Désolé, je t'ai enduit en erreur. Et coupe le moteur ici avant d'attirer tout le monde au Twiggies. Merci. C'est où par rapport au Spifo? Je vais tourner là. Retourne sur la grande route, ouais. Attends, j'ai tourné à gauche au Spifo parce que ça me parlerait bien. Ah, ils sont là, c'est bon, on y est. Attention, il n'y a pas de moyen de passage. Hein. Si. On a essayé de laisser les voitures là. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Ouais, mais du coup, comment on fait pour vider les coffres? Bah, alors, je pense déjà on va nettoyer, puis après on va les ramener les bagnoles hein, parce que. Je fais des allers-retours là. Pour essayer de nettoyer. Bien, ouais, putain, quoi. Parce que si, il y a moyen de passer quand même. Hein. Bah, bien sûr qu'il y a moyen de passer, on a pu passer la dernière fois. Mais bon, avant faut nettoyer, ça c'est sûr. Oh! Allez, petite voiture. Montre-moi que t'en as encore dans le capot. Par contre, on est en train d'en attirer un bon paquet là. Ouais, barre-toi, je vais continuer de faire mes allers-retours jusqu'à ce qu'ils viennent plus. Jusqu'à ce que je tombe en panne. Jusqu'à ce que j'ai plus d'essence. Ah, y'en a quelques-uns, j'avoue. Oh, les gars, ils ont même pas ouvert la porte quoi. Prendre un peu d'élan. Voilà. Allez, c'est parti. On reste bien sur la route. Boum. Ouais, bon. Si on veut quoi. Ok, en haut c'est calme. Et si on allait nettoyer dehors, finir de nettoyer dehors, ce serait cool. Bah, je fais le tour. Ah, t'as des battes cloutées toi? Oh, t'es bien. Ouais. Y'en a qui sont du bien là quand même. Moi j'ai pas trouvé de quoi réparer ma pelle, j'étais un peu déçu. Vous
voulez-vous bien décéder, bande de zombies? J'inspecte les bois. Pour être sûr. Comme ça, je les tue assez loin du Twiggies, ça fera pas trop de maladies. C'est propre, l'armurerie. Quelqu'un avait un pied de biche? Ou une masse? Il y avait une masse dans une des voitures, mais je ne sais plus laquelle. Ouais. Pied de biche ou la hache? Au choix. Attends, je vais voir. Elle était dans ta voiture, Damned? J'ai une. Ouais. T'attends dans mon sac de randonnée, j'ai une masse si tu veux. T'en bouge pas, j'arrive. J'arrête pas d'avoir des levels, moi, tiens. Ah, moi, je suis très déçu, j'ai pas de level en voiture. Donc, moi, j'ai course et j'ai eu quoi? Ah, bah, c'est tout. Fais gaffe, s'il y en a un qui arrive derrière toi, Kotox. Faut frapper. Pour ouvrir la. Je suppose qu'il faut défoncer la porte avec la masse. On attend, je regarde si c'est ouvert. J'ai une masse. Enfin... Bah bon, la masse bon. Ça fait beaucoup de bruit la hache, ça c'est un petit peu mieux mais vas-y. Pas trouvé de... j'ai pas entendu parler de hache en tout cas. La masse c'est spécifique, je crois voilà. Pas qu'on a de hache. C'est bon, c'est fait. Le mec il est essoufflé quoi, il a donné deux coups, il est mort. Faut que tu dégommes de la deuxième bien sûr. Attends, allez, ça. Allez, allez. Ah, ça la grille commence peut-être à diminuer. Ouais peu, la grille ouais. J'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. Hein. C'est normal, prends plus de temps. J'ai mon personnage qui est à bout de souffle, vas-y je te laisse faire Katox. Vas-y lâche la masse. Ou je la lâche plutôt si vous voulez mais Parce que là mon personnage... Il faut faire démonter hein. Hein? Il faut que vous fassiez démonter. Voilà, ouais. C'est ça. Ça c'est le bon bruit ça. Ah bah oui, il fallait me le dire. Allez, vous êtes où? Vous êtes à l'intérieur hein? Ah bah on se serre là. Le couteau de chasse. Là, je ferme la porte. Hache. Il y a un troisième couteau de chasse ici. Il y a la mécanique pour les nuls. Ouais, je l'ai lu. Ah, merde, non, j'ai pas lu. Il est dans l'étagère de gauche au mur. Ouais, si, je l'ai lu. J'ai lu. Il y a des cigarettes en bas. Oh, il y a une lunette de visée, quoi. Classe. Ouais, t'as vu ça? Où êtes-vous? Oh, il y a des toilettes. En haut, l'armurerie qui est en haut, au nord du Twiggies. Ah, cross en fibre de verre devant. Ouais, il y a plusieurs courses en fibre de verre. Ouais, on va pouvoir améliorer les armes. Lunettes de visée et tout, ah c'est classe. Enfin un couteau de chasse. J'en ai deux moi des couteaux de chasse, qui est-ce qui se bat au couteau? Bah moi j'en ai pris, j'ai pris le dernier. Moi je me bats au couteau théoriquement. Moi faut juste que j'ai récupéré, j'ai une pelle ou une batte cloutée, ça peut être bien aussi. Mais faut que je m'en fasse une, j'ai pas trouvé de batte encore. Y'en avait pas dedans? Je peux t'en dropper une ici si tu veux, dehors. Voilà. J'en ai plus besoin, j'ai trouvé un couteau. Et qui est-ce qui se bat la hache? Bah éventuellement moi, mais c'est peut-être pas le mieux aussi. Je sais pas. C'est tiens, pas mal la hache. Prends les deux. Ouais la ouais bah ouais. La hache c'est dangereux par contre hein. T'oublies pas qu'avec la hache tu fais pas tomber tout le monde. Ouais c'est vrai. Y'a 50 000 zombies devant le Twiggies. Ouais bah j'ai fait ce que j'ai pu hein. 50 000 moins 50 000 moins 2, 50 000 moins 3, 50 000 plus tard, 50 000 moins 50 000. Bon. Moins 2. Sur ce pseudo-nettoyage, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a presque pas eu de fail en plus, c'est cool. Donc le prochain, on nettoie le Twiggies et on s'installe, c'est ça le plan? C'est ça. Ouais. Oh là là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Qui est-ce qui a été...